Hello la compagnie, nous sommes samedi 1er septembre et je suis chez moi. Donc comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier, on est rentré donc un jour plus tôt vendredi. C'est pas qu'il faisait vraiment moche, mais il faisait un peu gris le matin. Après ça s'est levé, il y avait du vent, il faisait un peu frais pour aller à la plage le matin, pour profiter et tout. Et du coup on a décidé de partir, bah, comme je l'ai expliqué hier. Voilà. Donc ça a été assez... On a eu énormément de monde, donc on imaginait... Enfin, déjà le vendredi, on a mis 11 heures pour rentrer, pas 12 heures comme je l'ai dit hier. Je suis dans le... Et du coup, je pense que finalement, c'était pas plus mal qu'on rentre. On aurait peut-être plus galéré samedi, je sais pas. Pourtant, on avait prévu de rentrer, partir tôt, mais en arrivant... Là, on n'a pas galéré en arrivant sur Paris, parce qu'on arrive sur Paris super tard. Donc voilà, ça a été très compliqué pour aller jusqu'à Lyon. Franchement, 6 heures pour aller jusqu'à Lyon, pour faire 350 km, avec des bouchons tout le temps, c'était... compliqué, voilà. Cela dit, je regrette pas du tout de faire... on a mis 9h à l'aller, 11h au retour. Donc le 9h de l'aller avec les pauses comprises pour 840 km, c'est normal. Je regrette pas du tout ce trajet parce qu'on a passé vraiment des super vacances. Donc franchement, pour moi, ça vaut le coup dans le chi, entre guillemets, pour les trajets, même si c'est pas agréable sur le coup, mais voilà. On a vraiment... c'était vraiment top, top, top. Donc voilà, donc c'est fini. Fini les beaux paysages de la mer, maintenant ça va être que moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y aura plus de beaux paysages. Donc voilà, donc les vlogs vont redevenir un peu, ça va être le quotidien, ça va être un peu plus plat, ça va être voilà, comme avant. Aujourd'hui le programme, donc là, en fait, alors, je suis pas encore lavé ni rien. Ce matin on a tout rangé, nos affaires, on a fait les lessives, on a... Ici, vous le rangez, bref, voilà. Je vais trier mon sac à main, remettre dans mon sac d'avant. Voilà, donc on range, on trie. Ce midi, on mange là. Cet après-midi, je vais à Go Sport avec Alexis parce que ses chaussures sont toutes niquées. Si j'ai des trucs, je vous montrerai. Et puis, en revenant de Go Sport, je vais faire des courses chez Lidl. Ça fait un mois. 15 jours que je mets aucun bijou à part ça que je n'enlève pas, mais je mets pas de bague, pas de bracelet, rien, ça c'est juste pour m'attacher les cheveux au cas où. Et ça fait un mois que je suis sans bijoux, en fait ça fait drôle, ça va me faire bizarre quand je vais les remettre, je pense. Et donc on va revenir, on va faire des courses à Lidl, et puis voilà, donc faut que je fasse ma liste de courses, et puis faut que j'aille me laver. Il est dehors. Pour... Ben il est où ton... Ben viens chercher ton lambeau noir, il est où? Je sais plus ce que je disais, parce que j'étais coupée, donc je sais plus ce que je disais. Donc je disais que Lidl, non, non, je crois que je l'ai dit, je vais aller là me prendre ma douche, me laver, parce que ça va me faire du bien, ça va me réveiller un peu. Et voilà, donc je vous dis à plus tard. Il est 11h, je suis prête. J'ai mis un petit gilet parce qu'il fait pas chaud ce matin dehors, il fait 18. Mais il y a du soleil, il fait beau, donc c'est hyper agréable. David est déjà parti tailler les haies à l'extérieur. Voilà, il commence fort, hein. David, c'est tout de suite à fond, à fond. Il a sorti la tondeuse aussi, donc... Alexis est en train de prendre sa douche qui dure 10 ans, mais bon. Là, je laisse parce que... Mais souvent, on restreint parce qu'il resterait des heures et des heures sous la doucherie. Donc voilà. Je suis crevée. Vous n'avez pas marre que je vous dise que je suis fatiguée? Non, mais là, j'en ai dit hier. En fait, c'est fatigant la route, hein, même si... moi, j'ai moins conduit que David, mais c'est quand même fatigant, les bouchons et tout. Et ce matin, on s'est couché tard hier soir et on s'est levé tôt ce matin. On était tous les trois réveillés. Mais bon, c'est pas plus mal comme ça, ça nous a permis de bien avancer sur les rangements et tout. Voilà. À plus tard.
séance linge. Ça faisait longtemps, non? Allez, c'est parti! La voisine, on avait donné nos clés de courrier à la voisine, donc là elle vient de nous ramener tout le courrier, donc on a un gros tas. Dans les trucs intéressants, j'ai mon avis d'impôt, j'ai reçu un truc comme ça, je vous montre pas l'intérieur parce qu'il y a mon nom, mais voilà, et du coup dedans il y a des étiquettes avec mon nom, mon adresse et un bloc genre liste de courses. Super sympa, assez grand et tout. C'est suite à un don que j'avais fait à une association pour une maladie, et ils nous envoient des trucs, des cadeaux, enfin des cadeaux. Bref, la dernière position. J'ai reçu, vous savez, le petit magazine Envie Plus. Et dans ce petit magazine-là, il y avait un petit truc de dentifrice, je pense que c'est du dentifrice. Dentifrice fluoré, ouais. Voilà, 15 ml, Oral-B+. J'ai reçu une carte de ma pégouille et Sébastien qui étaient en vacances. C'est nickel, j'espère qu'elle a reçu la mienne. Et puis voilà. À plus tard. Et j'ai reçu aussi un bracelet de chez Wish. Il est comme ceci. Je le trouve super beau. Voilà, avec une attache, vous savez, qui s'écarte comme ça. Il y a une couleur que j'adore. Bon, je suis pas bien, super bien placée pour vous le montrer, mais bon. Donc, voilà. Voilà. Allez. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Le bracelet. J'adore. David voulait que je vous montre tout le tas d'herbes, enfin d'herbes de feuillage qu'il a taillé et tout. C'est impressionnant tout ce qu'il y a par terre, donc je vais vous montrer ça. Ça, voilà. Et on va pas tarder à faire à manger, midi 20, on va faire du barbecue et tout. Là, il est en train de discuter avec le voisin, donc. Donc voilà, à plus tard. Nous voilà rentrés. Donc on est allé chez à Micromania, mais il a rien trouvé. Là, on est allé chez Gosport, donc il s'est trouvé des Nike Air, donc qui étaient à 75 euros à la base et qu'il a payé. Enfin, que j'ai payé. Je vous l'ai montré. 55 euros, 54,99. Donc elles sont comme ceci. Ils jouent là. Mais... Voilà, avec la bulle là. Voilà. Les chaussures de rentrée. J'espère qu'elles vont tenir longtemps. Hop, elles sont super belles. Donc il y avait 20 euros d'écart entre prix de base et voilà. C'était les seules chaussures en promo. Moi je suis toujours chez Gosport. Et en plus j'ai utilisé ma carte. De bons d'achat de la rentrée scolaire, donc ça m'a rien en fait. Mais voilà. Ah, j'ai oublié. Ah, si, j'ai montré une nectarine. Bref, voilà, je range. Donc j'ai fait. Tac. 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 J'ai fait le petit retour de course. Je le mettrai sûrement en ligne, mais après ce vlog, je sais pas trop comment ça va se dérouler les opérations, mes amis. Donc voilà, je vous dis à plus tard. J'ai rangé tout ça, essayer d'organiser dans le frigo. Intelligemment. Voilà, je profite un peu du soleil des Yvelines. Après avoir profité des oreilles. Du soleil, je sais pas ce que j'ai. Du soleil du Var. David, il a bossé toute la journée dans le jardin. Il a. Vous avez pas vu avant, mais il a tendu la pelouse. Donc taillé les haies là. Plein d'autres trucs, plein de petits trucs, il s'est bien occupé, il est content, je crois, de retrouver une activité non-stop. Donc voilà, il fait bon, il fait vraiment chaud, donc c'est génial. Je sais pas ce qu'il fait, David, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il a fait, il est là-bas, c'est tout.
il a rapatrié le tas de branches là avant d'aller les mettre à la déchetterie. Attendez, parce que j'ai les mains pleines. Hop. Des trucs à jeter, d'autres trucs à jeter. Hop. Bon, je sais pas où il a disparu. Donc voilà. Il doit être 17h, je crois. Pas loin. Peut-être pas encore. Je sais pas. C'est drôle parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas reçu. Des gens qui ont reçu ma carte et d'autres qui n'ont pas reçu poster en même temps. Papa, il l'a reçu ? Ah ben, je sais pas, il n'est pas rentré encore. Donc il y a des gens qui ont reçu, d'autres pas reçu, pour s'être posé en même temps. Posté en même temps. Donc ben voilà. C'est bête. Hein? David a disparu de la circulation. Je sais pas où il est. Oh, bon, c'est pas bien grave. Et donc il est 5h10. Je pense que je vais pas tarder à clôturer le vlog, comme ça je vais montrer et tout. Mon frigo il est bien plein. Hop. Enfin bon, vous en foutez peut-être, mais. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Il y a demain sera barbecue. Ce soir on va peut-être se faire des. Je sais pas. Bref. Donc je vais clôturer là. Ça sera fait. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.